punch, 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 punch. Tu fais du rap, mon Vincent? Ah non, non, je fais du sport. C'est une série d'exercices de mon application Piqué, puis je les apprends par cœur avant de les faire. Hey, lâche le virtuel, je te propose un peu de sport en vrai. Un petit match de hockey cosum, amical, inter-école, ça te dit? Ah, fallait un capitaine d'équipe pour te passer au meilleur joueur de l'école? Ouais, mais il était pas disponible, fait que j'ai pensé à toi. Bon. Il y a un gymnase qui s'est libéré à l'aréna, aussi m'en profiter. OK, puis on joue contre quelle école? J'attends des nouvelles de l'école Jean-Eudes Labrosse. Jean-Eudes Labrosse, c'est pas l'école où il y a les gros toughs où il étudie... Lui? Ouais, lui. Yes! Enfin, ça allume! C'est ton premier jour à la caisse, je crois. Ah, ouais, je pensais pas que ça allait paraître tant que ça. Hein? Qu'est-ce que je peux faire pour vous servir? On aimerait payer notre déjeuner, s'il te plaît, maintenant que ta caisse est ouverte. Hein? Ben oui, c'est logique. Donald et Guylaine sont en congé? Non, ils font l'entretien annuel des tuyaux de ventilation. Là, ça va leur prendre la journée, fait que ben, je suis là. En tout cas, ça fait du bien, un petit déjeuner d'homme à homme de temps en temps, hein, Bol-Bol? Ah bon, comment ça? Ben, ça nous donne la chance de parler de tout et de rien, comme un père avec son fils. Ah ben oui, méchant problème. Mais voyons, Samy, pourquoi ça? Ah, d'accord. Puis vous avez pensé à moi? Encore? C'est diable en personne. Alors, c'est juste Alex Tivierge. Ça doit être lui le capitaine de leur équipe. As-tu peur? Non, tellement pas, là. Dépêche-toi de former ton équipe, hein. 5 gars, 5 filles. Moi, je m'occupe du reste. Mais comment tu veux qu'on fasse un match amical quand on joue contre lui? Laisse-lui une chance, là. Il a dû se calmer depuis le temps. Salut les perdants. Non, pas vraiment. Salut le fendant. Salut Alex. Le technicien loisir de mon école était occupé sur un autre dossier, fait que... Il m'a dit de venir te voir pour le match que t'organises. Ouais, viens dans mon bureau. C'est vrai qu'on le laissait pas rentrer les inconnus dans l'école. Je suis pas un inconnu. Tout le monde me connaît ici, hein? Bon, mais je pense que tout le monde voudrait t'oublier aussi, hein? OK, ça va la testostérone. Vincent, j'attends ta liste de joueurs avant midi. Ouais, tu vas l'avoir, inquiète-toi pas. Yes! Kevin a encore mal au bras! Kevin qui? Les tatouatrois vont me reprendre pour un show. Ah! Ah, tu sais, puisqu'on est ici, on devrait en profiter pour se commander des lunchs pour emporter, hein? Moi, je vais prendre... bagel au saumon. Ah, oui, pas de problème. Ben, j'ai un bagel au jambon ou ben du pâté saumon au poulet. Le reste, je sais pas encore comment le pitonner sur la caisse. Non, je mange pas de jambon. Samy! Mais prenez ce que vous voulez sur le menu, hein. Des pitons, ça se trouve. Samy, je te prends quoi? Bagel. Oui, puis c'est à quelle heure? OK, donc bagel... Non, non, il est toujours bon, le bagel, Samy. Pâté saumon ou poulet? Décide. Poulet. OK, donc j'annule pâté au poulet. Est-ce qu'il y en a au saumon? Ah ouais, OK, donc j'annule. Pâté au saumon. Mais en donc deux. Non, poulet, ça me va. Oui, Kevin, je suis là. Moi, je m'en Ken. OK, donc deux pâtés au poulet. Pâté au poulet. Ouais, voyons. Non, ça pétonne plus. Mais c'est peut-être un problème électronique. Tu veux que je regarde? Je suis ingénieur, hein? Ah, merci, là, mais c'est presque l'heure de fermer puis d'aller à l'école. Okay. Ah oui, déjà? Oui. Bye. Yes, il faut que je me tienne prêt pour ce soir, là. Ma carrière de musicien décolle. Faut surtout que tu te tiennes prêt pour revenir ici ce midi, parce qu'on va revenir réparer ce qu'on a fait bugger. Qui a fait bugger quoi? J'ai un plan pour ce soir. On s'en va voir le match de hockey cosum, puis on va faire la vague dans les gradins. Ouais, non, ça m'étonnerait. Bon, là, tu vas me dire qu'à Toronto, faites pas ça, la vague. Hey, ça fait une éternité qu'on n'a pas fait quelque chose ensemble. Mélanie. Si un match, t'as bien plus de chances de me voir sur le terrain que d'un grenier, voyons. Tu parles d'un gars qui a gagné des dizaines de trophées, moi. Mais je te fais des tatas, là, si tu veux. Des tatas? Mais non, tu me prends pour qui? Non, non, tu vas me passer la porte. Pardon? Mais je te niaisais pour la vague, là. Toi pis moi, on va être un duo de feu. Tu sais jouer? Mais oui. Mais ça, le hockey cosum, c'est ma passion depuis... longtemps. Genre depuis 2 minutes? Bonne. Non, non, je te le proposais pas parce que je voulais pas que tu te sentes trop mal si jamais tu savais pas jouer. Bon, ben, il reste juste à aller demander à Vincent s'il reste la place dans son équipe de bord. C'est exactement ça que j'allais te proposer. Hey,
T'aurais pu l'envoyer par courriel si t'aurais sauvé une visite. Ouais, mais je me suis dit que tu serais trop content de me revoir. Ben ouais. Ça, là, c'est rien que les meilleurs. Non, moi, y a rien que de la dynamite. On va voir ça. Félicie, t'es sûr, il me semblait qu'elle avait un match avec les Valkyries ce soir. Non. Ah ben, je savais pas. Je crois dans les bus, ça va. Mais Brandon Lee, là, pourquoi tu l'as mis? Il m'a dit qu'elle est au concert des Dead Poitras. Ah, c'est poche. Ben, pas pour lui, là. En tout cas, moi, tous mes joueurs y ont confirmé, hein. David Hammer Brisebois, Chloé Spider Bolduc, Emmanuel Gonzo Martinez, Ariane de Killer. En tout cas, je suis sûr, là, que Samy va venir jouer avec nous, hein. Y a rien pour nous séparer, là, même pas ta gang de Gonzo. Ben, ce serait le fun que tu vérifies avec lui avant de le mettre sur ta liste. Et avec les autres joueurs de ton équipe aussi, parce que si t'as pas tes 10 joueurs, y en aura pas de match. Je vais les avoir. Je canne le pas, Frank, hein. Il veut juste que le match soit annulé. Trop peur. Non, non, j'ai pas peur. Puis tu seras que dans mon équipe, là. Il va juste y avoir la crème des meilleurs de l'élite, puis on va vous écraser. Vincent, qu'est-ce que t'en penses? Je pensais mettre ces souliers-là pour le match de hockey cousin, parce que les paillettes vont juste trop bien avec les couleurs du chandail de l'équipe. Ça va être full nice! Oh, puis s'il te plaît, dis-moi qu'on n'est pas obligé de mettre un de ces affreux casques, parce que ma mise en pli le supporterait pas. En tout cas, on se dit ce soir, hein, avec ta crème de l'élite. Mon équipe va se passer tes services, merci. Hein? Ben, comment ça, je suis exclue? Non, inquiète-toi pas, c'est pas encore fait, Mélanie. Vincent, t'es mieux te grouiller, là, si tu veux te monter une équipe qui a de l'allure pour pas perdre la face encore une fois. Je me grouille, là. OK, c'est quoi le problème avec les paillettes? Oui, allô, Kevin? Oui. Je voulais te dire merci pour la partition que tu m'as envoyée. C'est vraiment super, là, mais... Ton père va être là quelle heure? Oui, ben oui, la nouvelle chanson est incroyable, mais est-ce que ça serait possible de la voir au propre? Ben oui, évidemment que la partition est propre, là, mais... OK, non, non, regarde, oublie ça. Ah oui, oui, vous pouvez tellement compter sur moi, là, je vous décevrai pas. OK, oui, oui, promis. Bye. Il a l'air dur à suivre, ton Kevin. Oui. J'ai intérêt à travailler fort si je veux faire partie du groupe. Il faut que j'apprenne ça pour ce soir. Oh, si t'arrives à déchiffrer entre les tâches, hein? Est-ce que tu peux dire à mon père que je suis pas disponible pour l'aider? Invente n'importe quoi. Monsieur Mazari, votre fils fait dire qu'il est pas disponible parce qu'il doit aller chasser des licornes au pôle Nord. Ah! Je suis pas sûr de ça, moi. Hein? Si vous voulez gagner ce soir, il faut que vous soyez prêts à vous battre, prêts à souffrir, prêts à vous faire plaquer par des morons de 200 livres, prêts à vous faire donner des coups de bâton dans les jambes, prêts à vous faire donner des coups de coude vicieux dans la face puis vous faire casser le nez. Êtes-vous prêt pour ça? Hein? Hein? Avance ton recrutement? Pas fort, fort, non. Ce qu'il me faut, là, c'est des boulets de canon. T'es rendu à combien? À 3. Ah, puis sur les 7, il te faut 5 filles, oublie pas, là. Je vais aller recruter au club de slam de l'école, là. C'est des guerrières, ces filles-là. Là. Vincent! Vincent! Je pense pas que tu devrais redonner une petite chance à Mélanie. T'as été un peu raide avec elle tantôt. Une fille avec des souliers roses à paillettes dans mon équipe? Non, jamais de la vie. Qui est plus responsable du bug de la caisse? Celui qui pitonnait dessus? Ou celui qui arrivait pas à se brancher sur sa commande? Ou je pense que Geoffroy devrait t'aider à réparer son erreur, comme ça je pourrais aller préparer mon concert. Et moi, je pense que mettre le blâme sur les autres, ça n'a jamais été une solution. Oui, mais... Il est brillant, ton père. Geoffroy, on ne te retiendra pas ici, hein? Ça risque d'être un peu laborieux comme réparation. Je t'appelle quand c'est fait. Ah, ben, bonne chance. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, laborieux? Ça veut dire qu'on ne laissera pas tomber nos amis sous prétexte qu'on a mieux à faire. Aux choses à faire? Papa, c'est de ma carrière de musicien que tu parles. Raison de plus pour passer du temps avec mon fils avant qu'il ne devienne trop célèbre pour aider son vieux père. Tu boudes? Je fais un sit-in. Un sit-in? À l'insu de tout le monde et dans un local où tu as le droit d'aller. Il semble que ça manque un peu d'impact. Je proteste contre les méthodes sexistes de Vincent Bocage qui m'empêchent de jouer au hockey cosmo. Ouais, j'en ai parlé. Peut-être qu'il n'a pas assez senti ton enthousiasme. Je lui ai fou le montrer, pourtant. Mais tu lui as surtout montré tes souliers. S'il te plaît, dis-lui que
que je suis essentielle à l'équipe, qui a besoin de moi. Ouais, je veux bien, mais je te connais assez pour me demander ce que tu caches. Moi? Cacher quelque chose? Il n'y aurait pas une histoire de gars derrière tout ça? J'ai le droit de jouer avec un ami. En tout cas, ton intérêt pour le hockey Cosum, tu me l'as assez bien caché jusqu'ici. C'est ma passion! Ah! Ben d'abord, je t'attends tous les mardis puis les jeudis midi au gymnase. Hein? On a justement besoin de monde. Ouais, mais non. Parce que moi, les midis, j'ai déjà une autre activité. Ah. Hein? Je dîne. C'est pas de ma faute si vos horaires me conviennent pas. Mais pour le match de ce soir... Regarde, je veux bien défendre ta candidature. Ben, j'espère. Mais si Vincent trouve plus que 10 joueurs, c'est lui qui décide qui garde puis qui retire de l'équipe. Et à mon avis, il va privilégier les joueurs qui ont déjà fait leur preuve. Ça peut s'arranger. Vous l'attendiez! Il est là! Il est que pour vous! Ce soir! T'en fais pas, Donald! J'occupe de tout! Tout est sous contrôle! On applaudit bien fort! Le nouveau carriériste, Eden Poitras! Courage avec la ventilation! Sami! 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 Hein? C'est ça qu'on appelle jouer unplugged? Le temps que t'as mis à patenter dans l'espèce de clavier virtuel, là, t'aurais pu t'en servir pour... serrer les vis. Papa, si je maîtrise la tonne de ce soir comme un pro, là, je vais vraiment faire partie des Dead Poitras. Ah! Il est midi et demi et ça a l'air de fonctionner. Tu vas pouvoir aller répéter. Bon, ça, c'est fermé. J'ai faim, moi. Ah, ça va rouvrir bientôt. J'ai reçu tes messages, Vincent, mais je suis désolé, ça marchera pas pour ce soir. Hein? Comment ça? Ah, mon fils nous abandonne un à un sur la route de la gloire. J'ai un autre choix avec les Dead Poitras. Ben ouais, pis? Tu me poses vraiment la question. Ça vient... C'est dans l'adversité qu'on reconnaît ses vrais amis, ça a l'air. Hein, pis jouer au hockey contre Jean-Eudes de la Brosse, là, excuse-moi. C'est de la... Oui, c'est le Kev! Samy? Ya! Ya! Qu'est-ce que tu fais? Je pratique mes slingshots. Ah, tu veux dire des slapshots. Ah, oh, vous dites slapshot en Ontario? C'est drôle, parce qu'ici, on dit slingshot, je pense. C'est pas moi qu'il faut que tu convainques, tu sais. C'est Vincent. Je sais. Hey, l'appellerais-tu pour moi, s'il te plaît? Vous êtes tellement complices tous les deux. Moi, de toute façon, je suis en train de me réchauffer pour le match de ce soir, tu lui diras. Tu veux-tu que je lui dise que tu tiens pas ton bâton comme du monde aussi? Ah, non. Tu mets ton poignet comme ça, ton autre main de l'autre côté. Ah, OK. Ah, tu vois, ça va aller mieux. Ah oh, oui, ça va vraiment mieux. Voilà. Tu sais quoi? On va dire à Vincent que je suis prête à faire une énorme concession. Travailler avec un entraîneur personnel. Ah, pas pire idée. Tu penses à qui? Au meilleur, cette affaire. Ah, le meilleur, c'est moi. T'aurais pu me le demander directement. Oui, j'aurais pu. Mais là, ça veut dire que s'il dit oui, j'ai comme pas le choix. C'est un petit peu ça, le concept, ouais. Bon, mais moi qui voulais des boulets de canon pour mon équipe, là, je me retrouve pas rien avec un boulet tout court. S'il y a quoi que ce soit que je peux faire pour t'aider, tu me laisses savoir, hein? Vous auriez pas ça dans votre coffre, des vrais amis? Non, regarde, c'est correct, je comprends, là. OK, bye. Kevin dit que son bras va mieux puis qu'il va faire le show, finalement. Hein? Hey, tu parles d'une bonne nouvelle? Non, moi, j'appelle plus ça rater la chance de ma vie. Oh! Aïe, aïe, toi! Ça va pas? Mais non, ça fait super mal! Mais à quel point tu vas être capable de tenir ton bâton de hockey? Hein? Moi, je suis mon. On dirait que la caisse est remise à boguer, là. Mais là, c'est super grave ce qui m'arrive. Mais je comprends que c'est grave. Ça dit qu'il va falloir que je revienne après le travail pour la réparer. Ça doit être sûr qu'on appelle un artiste y compris. Il recueille. Oh, on recommence. Toi, ça, Geoffroy. À qui ai-je l'honneur? C'est vrai que t'étais gardien de but à Toronto pis t'as gagné plein de trophées. Tu travailles pour le FBI ou les nouvelles vont vite? Je te laisse deviner. Hein? OK, merci, mais... Je te laisse passer 5-6 buts pour le match de ce soir. Hein? Il est venu connu. OK, t'as peur qu'on gagne? Non, mais... La phase de bocage qui perd, ça me fait trop rire, puis
ça me déconcentre de mon jeu, puis je veux pouvoir en profiter pleinement. Deal? Ah ben, autant d'argent, ça se refuse pas. Mm. Hey, faut un petit doigt blessé qui va t'empêcher de jouer au hockey. Oui, mais imagine si j'aggrave ma blessure puis que je peux plus jamais jouer de clavier de ma vie. Minette, qu'est-ce qu'il faisait là, lui? Je pensais me sudoyer, là, pour que je me transforme en passeport, mais avec un gros 20$. Ça marchera tellement pas. Fait que maintenant, on est sûr de gagner, puis de l'humilier. Hey, tu peux juste pas manquer ça, Samy, là. Oh, désolé, les gars, Kevin a changé d'avis. Ben voyons, on dirait que ton petit doigt t'a fait plus mal tout d'un coup. C'est bizarre. Ouais, ben ça va mieux, là, tout d'un coup. Entre ton meilleur ami qui a besoin de toi, puis un pseudo métalleux qui te prend pour un bouche-trou, tu vas choisir qui? Désolé, Vincent, j'ai une tonne à répéter. Oh, come on! Je resterai bien pour te consoler, mais ça a l'air que tu m'as causé un entraînement avec Mélanie. Mais attends, là, faut que tu m'aides à trouver un remplaçant, Samy. OK, mais si tu laisses Mélanie s'entraîner toute seule, là, ça va ressembler à du roller derby, son affaire. Non, 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 attends. Je vais pas te remplacer par n'importe qui. Tu vas voir. Bon, là, tu pourras pas dire que je suis pas prête. Parfait! Monsieur Mazari? T'es chanceuse, hein? Il fallait justement que je passe par ici pour réparer la caisse enregistreuse du casse-croûte. Ah, casse-croûte qui se situe par là. Merci. Ah non, ça c'est réglé, hein, oui. Bon, Vincent m'a dit qu'on avait pas mal de travail à faire, hein? On commence? Quoi, exactement? Ah, Vincent m'a demandé de te faire passer d'extrême débutante à pas trop gênante en une heure. C'est un gros défi, oui, mais les défis, moi, j'aime ça. Je pense qu'on a du mal à se comprendre. Je pouvais juste attraper mon cellulaire. On n'a pas le temps, on n'a pas le temps. On va commencer par placer tes mains. Hein? Celle-là, tu la mettrais où? Dans la face de Vincent Bocage? Non. Mais là, plutôt ici. C'est ça. Et l'autre, en bas. Ouais, c'est bon, ça. Et tes yeux, tu fais quoi avec? Je pleure ma vie? Non. Tu les gardes fixés bien droit sur l'adversaire. Hein? Oui! Ça, c'est excellent! On va faire de toi une championne, Mélanie. On commence par un petit réchauffement. Hein? Jumping jack. 25. Allez! Et 1, et 2, et 3, et 4. Wayne Gretzky. Ah oui, ça s'entend là, que tu fais du progrès. Ben, j'ai pas le choix là, si je veux être un vrai dead poitras. Hein? Avec ton concert, j'imagine que tu regretteras pas trop le match de ce soir. Ah non, certain là. Hein, ce soir, c'est le grand soir pour moi. Hein, c'est le moment qui va changer mon parcours de musicien. Sami! Tu penseras à nous autres quand tu seras riche et célèbre? Hein? Hein? Oui! Oui, Kevin! Ah, oui. Ben oui, je comprends, là. Ben non, c'est pas ça que j'avais compris, là. Ah oui, c'est correct. OK. Salut. Mauvaise nouvelle? Encore une chance que je joue ce soir, mais comme substitut. Je vais jouer juste si Kevin se sent pas prêt à finir le show. Si tu viens jouer au hockey cousin, tu vas avoir une vraie place dans l'équipe, en tout cas, tu sais. Mais c'est peut-être pas ça que t'as envie d'entendre. Vas-y. Si vous cherchez un entraînement, là, puis qu'il y en a un très bon pour vous autres, hein? 10 lunge, 10 crunch, 10 punch, crochet, punch! N'hésitez pas. Dans une autre vie, OK? Oh, puis merci encore de m'avoir envoyé un coach psychopathe! Tu voulais faire partie d'équipe d'élite, il te fallait un coach d'élite. Je vais m'en rappeler de celle-là, crois-moi. Bon, si t'es pas contente, là, je vais te donner la place de substitut. On est 11, là, il y a une joueuse de trop. Non! Il faut que je la joue, celle-là. Trop tard. À moins d'une blessure ou d'un désistement. À moins de rien, pantoute. OK, moi, je rentre chez nous. Comme tu veux. Vincent, le coach de Jean-Hugues Labrosse vient de me parler d'un complot entre deux joueurs. Avec un des nôtres a été corrompu. Ah, ça! Le tarla de Tivierge a proposé 20$ à Geoffroy s'il se transformait en passoire. On l'a tellement ri. Puis Geoffroy a accepté l'argent. Ben oui, mais il va quand même arrêter les lancers, l'inquiète pas, là. Hmm? C'était juste une stratégie pour briser leur mental. C'est brillant. La chose à faire, c'était d'aller le dénoncer. Là, si Geoffroy a pris l'argent, on a l'air de quoi? Bon, on a l'air d'être plus intelligent que Tivierge. Non, on a l'air aussi corrompu que lui. Ah, inquiète-toi pas, là. On va lui redonner l'argent si tu veux.
C'est un peu tard pour ça. Si Vierge est suspendu. Et Geoffroy aussi, on joue à 9 contre 9. Non, mais attends, Frank, là. Qu'est-ce que je fais, moi, sans garder de but? Mélanie! Je suis vraiment désolé, Vincent. Là. Tout ça pour 20$, c'est tellement niaiseux. Ouais, mais c'est pas grave. Là, c'est le moment d'aller convaincre ta super complice de pas nous lâcher aussi. Ma super complice? Ben, Mélanie veut plus jouer si tu joues pas. Mais là, si elle joue pas, il va nous manquer un joueur, puis le match va être annulé. C'est ce que je lui dis, là, mais elle veut pas m'écouter. Si toi, tu lui demandais, là, peut-être qu'elle voudrait. Elle se jetterait dans le bas d'un pont si tu lui demandais. Là. Je choque pas, là, mais... Ben, quand je vais aller y parler, OK? Vas-y. Wow, c'est ton costume de scène, ça? Entre mon meilleur ami qui a besoin de moi puis Kevin qui me prend comme bouche-trou, donc mon choix est fait. Tu sais que je te faisais un peu de chantage pour t'avoir dans mon équipe. Mais si t'es sûr de ton coup, là, let's go! Fuse, t'as déjà joué avec Edith Poitras, hein? Oui. Oh, je pense qu'il faudrait un selfie, Samy, hein? Ben oui, oui, certain. Ben merci, c'est vraiment gentil. Bon, là... Tu n'as pas trop la tête, hein? Sinon, ça va te déconcentrer du match. Ah, non. Bon, moi, j'aurais pas tout gâché. Mélanie veut garder les buts. Puis moi, ben, j'ai dit que j'y ferais des tatas dans les gradins. Là. Ben, c'est cool! Merci. Qu'est-ce qu'il en pense, ton Kevin, que tu viens de jouer au hockey? Samy! Hein? Oublie le match, puis cours à ton show. C'est là que tu veux être, là, c'est évident. Tu sais que t'as un chum, toi, hein? Ouais. Ouais, là, j'ai pas le temps pour ça. J'ai un match à gagner, moi. Vincent, tu penses à qui? C'est vrai que t'as bien joué, Mélanie? Oh, non. Je veux que ce soit Vincent qui le dise. On a gagné grâce à qui? Grâce à Geoffroy qui t'a beaucoup encouragé dans les gradins. Grâce à toi aussi, Mélanie, parce que tu t'es pas mal débrouillée pour une débutante. Merci, c'est tout ce que je voulais entendre. Bon, ben moi, je vais parce que Geoffroy m'attend au casse-croûte. Bye! Ciao! Hé, hey, t'es venu ici pour quoi, toi? Pour prolonger l'humiliation? Non, je voulais mettre de quoi au clair. Si vous avez gagné, c'est parce que j'étais pas là pour vous écraser. Mm. Juste que tu le saches. Hein? Salut, là. Au cap. Mauvais perdant. Mais on a quand même gagné, puis c'est grâce à qui? On a gagné grâce aux efforts de l'équipe. Et grâce à notre super capitaine qui a marqué 3 buts. Ah, oh, enfin! Mais ça, tu choisis. Soit je continue à te faire des compliments, ou je te paye un grilled cheese pour fêter la victoire. Je vais prendre un grilled cheese. Bon choix. Allez, tête enflée, là. J'ai faim, moi aussi. Yeah. Tu veux en apprendre plus sur Subito Texto? Visite notre site web